Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Bonjour, les bénis. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es gagnant, tu es un peu plus grand. Il y a un Congolais. 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 Il y a un Bio Africa Union et tout ça pour la machine, sinon vous voulez pas dire que vous voulez dire. Vous voulez dire que 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 vous voulez dire Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, Pino Moko. Bakoné, Radino, Coriana, Abeti. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement administration, essentiellement état des droits, essentiellement développement. C'est vrai qu'il faudrait parler de tout, mais vraiment de tout, parce que la lumière est pas d'abisso ingueloba, polé, tolaxabato, n'est-ce pas? Nzela ya malonga, na obiso toki koya nangu ponabino. En réalité, ce qui est vrai, c'est qu'il s'est passé tellement de choses dans Bokana, bien sûr que le peuple doit le savoir. Il faut donc informer au peuple. Tout ce qui se passe au Congo, le peuple doit être au courant. Comme ça, le peuple forge son propre jugement et sa propre sentence. Mais le peuple va agir en fonction des informations qu'il possède. Très souvent, on a traité ce peuple de naïf. Non, le peuple n'est pas peut-être naïf. Le peuple est mal informé et sous-informé. Dans la plupart des cas, déformé. Alors, lorsque vous avez un peuple mal informé, déformé, sous-informé, son jugement est tout de suite attaqué. Donc, il ne peut pas prendre une décision. Parce que la décision, c'est l'ensemble des informations. Lorsque vous n'avez pas de bonnes informations, votre décision est impactée. Alors, ça ne m'étonne pas, moi, de voir ce peuple mal agir. Ça ne m'étonne pas de voir ce peuple ne pas agir. Regardez comment le peuple est mobilisé quand on lui dit des choses. Parce que c'est là où on verse, on concentre notre énergie. Les gens s'étonnent. Pourquoi le peuple zobi balabala pendant que nous ne croyons pas politiciens? Pourquoi le peuple zobi balabala pendant que nous ne croyons pas loi? Mais Makambuya li parle au Belakate. Parce qu'on n'a jamais mis de l'intérêt sur la chose de tout le monde. On n'a jamais mis l'intérêt sur la chose communautaire. On met souvent les intérêts sur des choses sectaires, sur des choses qui appartiennent à une catégorie de gens, sur des choses qui appartiennent apparemment à la communauté, mais dont le bénéfice revient à une catégorie de personnes seulement. Voyez-vous? Alors donc, plus vous mettez de l'attention sur la question, vous mobilisez un nombre important et important, Yabato. Donc, c'est normal pour que tout le monde m'a dit que tout le monde allait. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de commencer notre débat. Je voudrais d'ailleurs tout le monde en avoir. Top info, l'IGF détient déjà la liste des détourneurs. Mikolo Ezali, IGF, na inspection judiciaire. Bangomi Balé, Batoana, Baza go travailler pour nous traquer. Mais moi, je demanderai au président de la République encore une chose. Il faut toujours qu'on se pose la question, qui contrôle les contrôleurs? À cette question, souvent, on ne répond pas.
qui contrôle les contrôleurs. Parce qu'on va dire une chose, mesdames et messieurs, les initiatives comme ça, il y en a eu à l'époque de Kabila. Il y en a eu. Si, il y en a eu. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui vient inventer ces choses. Non, ça existait déjà. Mais le problème, c'est que très souvent, nous choisissons deux choses. Soit nous faisons l'effet spectacle, on fait la télévision, nous passons dans le média, les gens nous voient en train d'arrêter 2, 3, 4 personnes, en réalité ça s'arrête là. Mais le véritable problème reste entier. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait toujours une commission qui contrôle une autre. D'ailleurs, le véritable contrôle est discret. Le véritable contrôle est discret. Terriblement discret. Ce sont eux qui font bien les choses. Ceux-là qui sont discrets, qu'on ne voit pas, on appelle ces gens des véritables agents secrets. C'est pourquoi nous demandons au chef de l'État d'agir de cette façon-là. D'avoir aujourd'hui une commission secrète dont on ne connaîtra jamais aucune traçabilité. Mais ils opèrent. C'est comme des Rottweiler. Ils aboient quand ils ont mordu. Ils aboient quand ils ont déjà mordu. Eux, ils n'aboient pas pour faire fuir, non. Ils n'aboient pas pour avertir. Eux, leur rôle, ce n'est pas la pédagogie. Leur rôle, c'est l'arrestation. Ils sont là uniquement pour arrêter. Mais Batouane, on est surpris, ils ont déjà arrêté et ils présentent les faits dans la commission où ils sont censés être apparentes. Une coordination secrète, une coordination bien faite. Sinon, on a une mauvaise expérience au Congo. C'est quelle expérience? Ceux qui luttent généralement contre la fraude sont les premiers fraudeurs. Ceux-là qui luttent généralement contre la corruption sont les premiers corrompus et se mettent dans les dispositions d'accepter la corruption. On a vu ça dans ce pays. Chargé à Maramba fraude, le premier fraudeur. Chargé à Makamba corruption, le premier corrupteur. Chargé à Makambu Yaba droit de l'homme, c'est le premier à bafouer les droits de l'homme. Chargé à Makambu européen, c'est Batouba bourse, c'est le premier à bloquer la bourse. Donc, ça, c'est un mal congolais. Parce que l'homme congolais n'a pas été programmé pour entretenir. Il n'a pas été programmé pour la maintenance. Lui, il a été programmé pour la jouissance. Il veut jouir. Même d'un poste qui interdit la jouissance, lui, il veut jouir là-bas. C'est ça notre caractéristique. Et c'est là qu'il faut détruire maintenant. Ça veut dire qu'il faut, Batumzusu, une nouvelle catégorie de personnes. Pas des nouveaux hommes, mais une nouvelle catégorie de personnes. Ça veut dire des hommes qui appartiennent à un autre courant. C'est pourquoi je me dis toujours, il est difficile d'avoir un chef qui lui-même est accusé dans Makambo Bélé à patronner un secteur qui est censé régler la société. C'est très compliqué. Il y aura un problème de légitimité. Il y aura un problème d'acceptabilité. Personne ne va croire en lui. On va le voir comme un monsieur qui est un voleur protégé. C'est ce qui est très dangereux. Voilà pourquoi le bateau Balingi va gérer le secteur Rwanda, va gérer IGF, va gérer inspection judiciaire, va gérer la commission de contrôle. Bateau Rwanda, il faut pas l'exempter. En eux, sur eux, on ne doit rien retrouver de contraire dans la mission. Ce qu'on a DG, on a AG, on a directeur, on a responsable, on a, je ne sais pas moi, tout ce que vous allez donner comme nom, on a conseiller, on a tout ce que vous allez donner comme titre, Moutouana, il faut yemoko déjà ça l'objet. Il y a unanimité sur ses valeurs. Qu'il soit porteur des valeurs. Quand l'on regarde na parcours na Mobimba, a-t-il été impliqué déjà dans une question? Parce qu'il est mauvais qu'un responsable qui est censé gérer un secteur et à intégrité, lui-même face à un problème. Je pense, je suis en train de parler aux sages, ils comprennent de quoi je veux dire. Je voudrais simplement interpeller Batouke, Toto évolue Mouke, n'est-ce pas? Il est toujours important. Toto a fait commission, il y a qu'au contrôler, Batouke contrôler. Par exemple, IGF, inspection judiciaire. Toto a commission Moko et contrôler Bangopé. Parce qu'il s'agit de millions et des millions. Peut-être que Batoubazo est batté, à quoi ces gens-là sont butés. Mais ils sont butés à des questions les plus importantes de l'histoire. Ils parlent à des milliardaires anonymes. Ils parlent à des millionnaires potentiels. Ils parlent à des criminels de sang, à des criminels économiques. Ils sont confrontés à Batoubazo tous les jours. Alors la tentation est tellement grande. Parce que de ce côté-là, il y a et la tentation et les risques de mort. Ils risquent leur vie.
mais aussi il risque de passer à côté de la richesse. C'est quelqu'un que tu vas voir comme ça, à la 15 millions de dollars, naï. Issu na vol, na fraude, 15 millions de dollars. Pensez-vous que ce monsieur-là, pour sa liberté, sachant qu'il peut aller en prison pour 10 ans, pour 20 ans, ou même à vie, pensez-vous que ce monsieur-là ne sera pas tenté de donner 2 millions ou 3 millions? Parce qu'il y a un niveau là que la corruption n'est pas dans les centaines, non. La corruption à un niveau là, c'est la corruption des millions de dollars. C'est quand on te fait une proposition de 2 millions, de 3 millions. Est-ce que les hommes que vous avez placés ont la carrure, ont la personnalité, ont la capacité de dire non? Est-ce qu'ils connaissent les rôles philosophiques des non? Est-ce que Baby sait que c'est non? Ils savent comment on dit non? S'ils savent, c'est bien. Mais s'ils ne savent pas, c'est très dangereux. Voilà pourquoi il faut une commission juste à côté pour les protéger Bango. Non seulement pour la vie de Bango, parce qu'il faut qu'ils soient protégés et sécurisés, gardés par l'État, mais aussi contrôlés. Bango, il faut en principe, basse la déclaration de bien. Le contrôleur, ou à l'oukambongo à bateau, à l'oukamplas mbonga l'état au kende, il faut déclarer bien naïe. Il faut un code de déontologie qu'il présente ses biens. Ses biens à lui, à sa, le bien de sa femme, le bien de ses petits frères, de sa lignée directe, le bien de son cercle. Parce que maintenant, il faut fouiller Bango au moins à 4 degrés. Na oblique, na vertical, na horizontal. On regarde Christian, tout son entourage, Batali. Batali Mosinanga. On regarde dans tout le coin. Batali va signer ma richesse. Le jour où je suis nommé inspecteur, Batali famille Nanga, Batali Nivoni. Quels sont les biens que j'ai? On fait la réquisition des informations à un modèle Luana. Bilogo on a tout veillé, Bayebi. Au bout de 2 ans, 1 année, je ne sais pas le temps pour évaluer. Mais Christian Tangataki n'a pas Kotika n'a pouvoir. Comment Jérémy Maïkandi Mangboko, Mouton Matarana de temps en temps, a commencé à 7 parcelles na Kombona. Et non, non. On l'appelle, monsieur vient. Succès Nayo, richesse Nayo, Eza suspicieuse. Pourquoi Eza suspecte? Pourquoi c'est suspecte? Parce que regarde, aux approches, il y a Christian Boussembe qui est en train de contrôler les potentiels pilleurs, les potentiels voleurs. Donc, on peut estimer que Mbongwana Christian Tazozo a dopé ça. C'est comme ça que l'on peut, moi je pense, gérer un État. Pour que Nabato va servir Mboka, va s'enrichir t'es. Non, on ne s'enrichit pas quand on vient servir l'État. C'est une aberration. C'est du vol. On ne peut pas s'enrichir quand on vient servir la République. Quand on vient servir la République, on ne s'enrichit pas. On est à l'abri des besoins. Oui, on est à l'abri de besoins. Et puis ce n'est pas qu'on vous donne de l'argent pour que vous ne soyez pas corrompus. On a d'abord besoin des gens incorruptibles avant de leur donner de l'argent. La moralité, les valeurs, les vertus doivent précéder le traitement. Oui, la probité... Les valeurs, les vertus doivent précéder le traitement. Parce qu'en réalité, les pauvres ne sont pas corrompus à Bango. Non, on a vu même les riches être corrompus. Bon, encore que les riches, il y a une définition. Hein. Les riches, ce n'est pas celui qui possède des millions, mais ce sont ceux-là qui sont capables de créer des millions. Pas de voler des millions. Pas de piller des millions. Mais de créer des millions sur base des idées, sur base de projets, sur base de la productivité morale, de la productivité intellectuelle, c'est ceux qui peuvent coucher sur papier leurs pensées et produire de l'argent. Naloba kinabino eloko moko bandeko. Et je peux vous donner une information. 3 premiers ministres, parmi les premiers ministres au Balikana Mboka Nabiso, 3 premiers ministres sont déjà, 3 anciens premiers ministres, sont dans les collimateurs de la justice. Beaucoup commencent déjà à se défendre, mais c'est une peine perdue. Je peux vous garantir qu'ils finiront par tomber. Mobutu disait, le fruit, mûr ou pas mûr, devant l'ouragan de l'histoire, le fruit, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Parce qu'il y a des effets, comme je l'ai dit, il y a de ces faits qu'on ne pourra pas contrôler aujourd'hui, qu'on ne peut plus couvrir. Moutoumoko Azana Bazo Fundae n'a au moins 10 dossiers. Ose porter signature naïe. Ça ressemble un peu, un tout petit peu à la prévarication, ou si vous voulez, à l'institutionnalisation de la prévarication.
Batouya modèle, Luana, on finira par mettre la main sur eux. Peu importe les tribunes qu'ils alimentent aujourd'hui, peu importe les discours qu'ils ont aujourd'hui. Parce que l'État ne dort pas. Barokanga Bangokak. Dans tout ce qu'ils sont en train de dire là-bas, payer les journalistes, c'est bien. Donner aux gens l'argent, c'est bien. Menacer, c'est bien. Mais on finira tôt ou tard par mettre la main sur ces gens-là. Trois premiers ministres. Moko ezali pona ba dette intérieure. Moko ezali pona makambwa ezalaki na makambo ya mboka, ba biloko bele 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 ezalaki awa. Musu ezalaki pona maquillage à ba compte et bele ba okangama na bango. Parce que ces gens-là, l'avantage avec la justice, c'est que la justice est patiente. Chirac, on a attendu très longtemps pour l'inculper. Sarkozy, la même chose. Beaucoup de gens, la même chose. On a attendu très longtemps, mais on a fini par mettre la main sur eux. C'est ça ce qui est très important à dire. Aujourd'hui, il faut te rappeler Batelo Komoko. Les inspecteurs judiciaires sont en train de travailler sur des dossiers. Dossier important. Le quoi la dette intérieure. Enrichissement illicite, wana. Likambouya paye à mon seigneur, paye à ma fonctionnaire. Mais les gens vont être arrêtés. Mesdames et messieurs, il y a des histoires au Bogu qu'on imaginait sur la question de la paye des enseignants, la paye des fonctionnaires. Le doublon, n'en parlons pas. Les fonctions fictives, n'en parlons pas. Les salaires fictifs, on ne peut pas en parler. Vous pensez que tous ces gens vont s'écouler comme ça, ils vont se tirer d'affaires? Non, mais ils vont être arrêtés. Ils savent qu'ils vont être arrêtés. Ils le savent. En fait, au moins, ils disent parce que, bon, les gens ne parlent pas beaucoup, mais la récréation avait caractérisé ce régime, l'ancien régime. Tout le monde le sait. C'était une récréation pas possible. C'était comme un éléphant qui est tombé, alors tout le monde prenait son morceau. Une irresponsabilité collective. Une insouciance légendaire. Tout le monde pouvait faire tout, sans être inquiété. Mais c'était ça même la consécration de l'inanition de la nation. Il ne fallait pas attendre un livre pour ça. C'était clair comme de l'eau de la source. C'était un pillage organisé et systémique des ressources du pays. Le bradage, vous n'avez aucune idée. Donc c'était finalement une sorte de jungle, sans loi ni foi. Mais à un moment donné, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Et aujourd'hui, les parquets, ne pensez pas que le parquet n'est pas au courant. Le parquet est au courant, mais le parquet, parfois, il est débordé. Il se dit, mais on va arrêter tout le monde. Mais ce qui est bien ici, ce qui est bien, c'est que la nouvelle administration, le nouveau leadership, veut qu'on arrête toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces choses-là. Et voici ce que moi, je propose au procureur général de la République. Voici ce que je propose à tous les procureurs. Nous devons imaginer un système qui n'arrête pas que le présent, mais qui arrête aussi ceux qui étaient dans le passé. Vous savez, tous les arrêtés qui ont été signés. Est-ce que vous voyez que, ministre Moussoussou, je vous amènerai les détails, ne vous en faites pas. Zalaka toujours dans deux bureaux dans Bango. Arrêté ministériel Moussoussou, et ne manque même pas dans le ministère. Parce qu'on a signé un bureau privé, il y a un ministre accompagné de nos collaborateurs. Mais quel est le profil des collaborateurs de ministres aujourd'hui? C'est des coopérants. Ils sont là pas pour conseiller le ministre, non. Mais ils jouent le lien entre le ministre, notre potentiel acteur social, il y a secteur, il y a ministre. Les acteurs sectoriels. Ça veut dire le ministre, par exemple, je prends un exemple comme ça. Le ministre, par exemple, il y a finance. Le conseil, il y a un lien. N'a pas potentiel contribuable, n'a pas bateau, n'a pas régisseur, et ainsi de suite. Bangonde va faire la pont entre Batouana et le ministre. On dit par exemple le ministre télécom, va conseiller Naye, va en réalité, ancien membre de réseau de communication, va faire la copre de l'autorité de communication, Bangonde va coller la carte ministre, va document, va faire. Non, je suis installé dans le dossier, Naïb Makambo, bien, yaka. Alors, lorsque le pays est tombé, na kati ya maboka ba coopérant. Au lieu de tomber entre les mains des hommes d'État, c'est là où on va. Alors comment on fait pour déranger tout ça? Il faudrait que l'État dise non, non. Aujourd'hui, on ne va pas seulement arrêter, pas seulement annuler les arrêtés. Comme je le vois, le chef de l'État a annulé plusieurs décrets, plusieurs arrêtés. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. On ne peut pas se limiter à un niveau à annuler, arrêter. Non!
Il faudrait maintenant aller au point d'arrêter, de poursuivre pénalement ceux qui ont signé des arrêtés monstrueux. Il y a modèle Wana. Et tant qu'on a un ministre, il est temps maintenant d'arrêter même les conseillers qui étaient dedans dans le dossier Wana. Ainsi, on va donner une belle image. Il y a un conseiller lobby. Il va réfléchir deux fois. Avant, il y a une proposition incendiaire. Avant, il y a une proposition malhonnête. On a mis deux fois la question. Est-ce qu'on a sali yango? Parce que ceux qui ont sali yango, lobby est tombé entre les mains de la presse et la justice a couru yango, on va être arrêté. Il faudrait faire en sorte que ceux qui ont été cités namboka oyo dans un dossier tel ou tel autre, batouana va vendre la tranquillité, ce qui va payer dans pour le ça la quitter. Il est important de mettre un état, c'est ça aussi un état de droit. Un état de droit, c'est le respect de la norme. La norme, elle est norme quand elle est comprise par la norme. Ça veut dire, ce qui n'est pas prescrit, ce qui n'est pas frappé par la prescription, doit produire des effets. Vous commettez une infraction qui est punie dans une législation de, par exemple, 2000 ans, ou dans une législation de 1949. Mais vous commettez l'infraction en 1962. Mais on doit vous arrêter pour ça. Il n'y a pas prescription. On ne va pas dire non, on a rétroagi. Non, là, ça, ce n'est pas rétroagir. Votre infraction est postérieure à la loi. Comme elle est postérieure à la loi, on doit vous arrêter. Si elle était antérieure à la loi, ok, pas de problème. Par exemple, les coopérations sont interdites en 2002. Exemple, hein. Bah, coopération sont interdites en 2002. Mais bino, vous savez qui va coopération en 2001. On ne peut pas vous arrêter parce que la loi ne rétroagit pas. Mais ici, les questions, il y a tout ça, là-bas, au bout, Kamibeko. Oui, la loi est dans la cadre déjà depuis longtemps. Le licolo a impunité, le licolo a magamio, il y a Ozaki, il y a Mabé, Mboka, Batika Bango Bongo. Et comme il y a un Bango, il y a un Bango, il y a un Bango. Namboka Nabiso, parlons des parcelles, parlons des biens de la République. Combien de bateaux combien de bateaux? Il y a des dossiers pendants Namboka Nabiso, où des généraux refusent, hein, refusent d'exécuter un arrêt. L'arrêt qui est exécutoire. Mais des généraux, ils ont exécuté. Ils refusent parce qu'ils avaient. Et puis ils vous disent, allez partout où vous voulez. Vous allez me trouver moi là-bas. On n'est pas dans une jungle à la fin. Ce n'est pas une jungle. Maintenant, il est temps que chaque parquet a fungula bureau. Wana. Voilà pourquoi nous demandons aux magistrats, nous demandons au président des cours, nous demandons au conseil supérieur de la magistrature, nous demandons aux magistrats suprêmes d'ouvrir une commission ou disons de mettre en place les mécanismes de la commission moko et récolter kakaba doléances ya peuple congolais naba bien nabango. Donc on était dans un état où des hommes qui n'ont pas le droit ni le pouvoir de s'opposer à l'exécution d'un arrêt. Je ne suis pas en train de dire autre chose. Non, l'arrêt est là. Exécuter l'arrêt, il dit non. Lui il interprète l'exécution de l'arrêt. Si qu'on bande quoi, bah tu as bongo, bah tu as Keli Besembe, bah tu as modèle on a baza et belé namboka oyo. Oh bah boto la bongo banda kuna bango. Alors que les arrêts ont été rendus, un arrêt qui a dit que c'est ta maison, mais quelqu'un refuse. C'est ça notre pays. C'est ça les plus grands dangers que nous avons dans ce pays. Les gens qui refusent de respecter la loi. Toza na namboka oyo. Un ministre, un directeur de cabinet, un ami, ce qui peut anani, a sepeli na manda kunayo, a kangi yangwe komi yaye, a boy kope sabino. Il y a un cas, un autre cas. Et dans le cas, on va accuser M. Sami Badibang. On l'accuse, hein, on dit que c'est lui. Parce que la maison serait la maison de sa sœur. Monsieur, un monsieur nommé Mathieu Madiam, nanda kunaye, côté à Montfleury, a tongi nda kunaye, awa, nda kuya, nde kuya Sami Badibanga. PA on a sima, bazo sala ba travaux, likolo ba travaux ya ndaku ya ndeko ya Sami Badibanga, ndaku ya Madiam ekui, e bayokani ke ba pesa na mbongo alamiable. Bayokani ba pesa na mbongo. Tilelo un an après ba pesa na mbongo te. Quand on va comme ça, ote ngana za bo, ote ngana za bo, ote ngana za bo. Nous voulons que cette histoire cesse. Oh bito to lingite ezali que na République o toza na ngolelo, na administration toza na ngolelo, ba ka ya injustice ya modèle on a esalema. Tolingi te que batomo ko bavanda libanda bazana banda alors que bazana ndaku na bango mais parce que ministre moko parce que
directeur de cabinet Moko, parce que général Moko, colonel Moko, parce que bon, un ancien monsieur, tout ça, chef soit-il, alors il est combattu. Il y a aujourd'hui des entrepôts, il y a aujourd'hui des parcelles, des concessions, il y a Batou, titre Evali, il y a Moutou, ma titre de propriété, na combo il y a Moutou, il y a dans la originaux, mais au hasard dans la copie, alors ça la loi. Akangi conservateur, Akangi boy, Akangi boy, Akangi boy, et Batou Mouéba s'en sortir dans le domaine. Exact. Aujourd'hui, ces enfants, Bana Batou, Bako vivra dans la belle étoile. C'est là qu'on dit non, non. C'est là qu'on dit on ne peut pas, on ne peut pas continuer comme ça. Mais pour que Bino Kwanaï s'arrête, il faut quoi? Il faut qu'il y ait érection, il y a justice, il y a solo. Il faut qu'il y ait une commission qui récolte Bino Kwanaï, pas que la Kinshasa. Parce que Biloko Bongo est même dans ma province. Biloko Batouza est belé dans la province. Est-ce que Boébi que Namboka ou Bato et Bato, Baboto là? Des bateaux. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Nga Christian Naza, armateur. D'accord? Bon, tu as signé un contrat dans une grande entreprise. Il y a là même Biloko Naé, na point B. Na même Biloko na point B. Il y a un petit incident qui se crée là-bas. Bon, on s'entend que, ok. Na foutu en bongo nanga, mbongo na yo, ozong se nanga ba titre nanga. Ok, mais le monsieur, bien que ozong si mbongo a bloqué bateau, a beaucoup pes. Ok, la justice est comme il y a yé. Et ozong on a tous les jours bateau na yo na katia ma yo tamboula. Qui a bloqué un général, qui a bloqué un ministre, qui a bloqué un Libanais, qui a bloqué un Indo-Pakistanais. Alors dites-moi un peu, comment vous allez dire aux gens que nous sommes en train d'aller na mboka otobengi, état de droit? Parce que l'état des droits suppose hein, le respect des textes. Les gens pensent, Namitou Nabango, que quand on a été prisonnier, on a perdu tout le droit. Non! Quand on a été prisonnier et qu'on a été acquis, on a purgé totalement sa peine, ça veut dire que l'état congolais ne vous doit, vous ne devez plus rien à l'état congolais. C'est fini. Vous avez fini votre peine au Foutiango. Vous avez vos droits. Et personne ne peut empiéter dans le droit d'abino pour prétendre que, bon, voilà, vous avez été criminel, bon, Ibaki, non. Ceux qui battent, ils vont protéger Mibeko. Bangomo, ils vont banga Mibeko. La question, on va se poser, qui surveille les surveillants? Il faut tout comme on a mis comme tout la question, qui observe les observateurs? Qui contrôle le gardien de la loi? Voilà un peu moi le débat que je vous amène. Le débat que je vous amène est un débat ya Moutounioso Azwa Oyaye. Oye Kokinaye et Zayaye. Mesdames et messieurs, imaginez un peu. Yozana Banami Bale, Tobanami Sato. Tu t'es battu toute ta vie. Osombili Bale na Ondako. Avec l'idée que ceux qui n'ont koufi, ils n'ont pas d'attendre d'accord. Mais un général se réveille un matin, estime que cette parcelle-là est veillée. Et à Zou Yangope. Yo mouto salaki bandakuna yo, au komi lokola, yo komi ko banga, kobima, nandakuna yo moko. Tu commences à avoir peur. Parce que le général là, non seulement qu'il peut te tuer, mais il peut te faire du mal, et puis il te prend ta parcelle. Et il te regarde dans les yeux, il te dit, partout où tu iras, tu vas me trouver. Effectivement, partout aux autres qui nous ont coûté avec Aïe. Alors, quel est le sentiment que les gens auront d'un pays, un modèle loin? Voilà pourquoi nous disons ceci. On ne gagnera pas si on n'arrive pas à établir des règles pour tout le monde. Faut-il aujourd'hui que chacun respecte ma texte? Moutounyonso a respecté ma texte. Oya ibambongo l'état, ba kangaye. Oya ibambongo l'état, ba kangaye et ba botola mbongo l'état. Oyo pe a sala mabe, ba kangaye, a fouta pona mabe a sala. C'est comme ça. Oyo botola moninga mapango, ba botola ye mapango wana, ba zongi se la yango bango. Quel que soit bato. Parce que, mesdames et messieurs, il n'y a pas que les hommes hein, sur les questions des parcelles. Oh, il n'y a pas que les hommes. Sur les questions des parcelles, il y a aussi deux choses. Ba église. Les églises, bozo mona réputé wana. Et ça, ba scandale, hein, ba église. Les églises. Ba botola mapango bato. Ba église réputée en Bokao. Ba botola mapango bato. Ba ONG. Ba botola mapango bato. Est-ce que beaucoup imaginent le modèle ouana? Il y a aussi des gens qui ont acheté des parcelles. Il y a à 100 000 dollars, à Pesaka à 20 000. Tilelo 80 000 à Pesate.
Ça fait 6 ans. Après ça, Mbonga va tout. Mais Azoa, 20 000 $ à Pessi. Atikali na 80 000 tilelo à Pessate. Bakolo le pango, bakomi kobaluka, ça fait 6 ans. Bakomi Mbonga na bangote. Est-ce qu'on imagine le Kandingo? Comment on peut arriver à vivre dans une maison du côté Sambongo Alate alors que Bakolo nda kouna, bazali banda. Ma parent na bango, bakomi kobela, bakozanga moyo kobima. Il y a même des familles au Kufisi Bandekonabango à Kinshasa, ils sont décédés parce qu'ils n'ont pas de moyens. Alors que bana moyen était pourquoi? Parce qu'un monsieur a bloqué Mbongo Nabango. Le montant est à soins, il a combien? Il a par exemple 3 500 $ seulement, 4 000 $ seulement. Mais quelqu'un veut devoir 80 000 $. Ben Kufisi Bandekonabango parce qu'il y a 4 500 $. Est-ce que vous imaginez un peu un pays comme ça? Non, un état de droit, hein, c'est un état qui fait peur aux criminels, mais pas aux hommes honnêtes. Lorsque les hommes honnêtes commencent à se cacher et que les criminels commencent à circuler librement, c'est qu'on n'est pas dans un état de droit. On est dans un droit de force ou dans un droit d'État. État de droit vaut mieux que le droit d'État. Mesdames et messieurs, travaillons pour l'établissement d'un état de droit, mais ne travaillons pas pour un droit de l'État. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es un gnosso. Biloko ya ya ni yo Congolais. On y dit ne kola yo. A sali sa yote. Pour la Corée na yo, moko ba bonne la yo. Pour la Nzoto na yo, moko ya ele. Pour ba bonne la yo. Balobi bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à quoi la machine sinon vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien comment t'es quoi la machine t'es qu'à alors t'es qu'à bio quoi y'a mboka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a mamba yo pour la mon kanja isali parobi nous sommes y'a ri et un kouba paniwa parobi un tente isali la bomba kanja y'a un poto y'a mbise la parobi n'y'a pas y'a bosu n'y'a mon kombo t'es la gane kala n'gando n'est la lali na base Na soutou Eza kodia na peti Po maman mande Ya solo Po bato comprendre te Mawa Bako mwore Ou alon nou Ou alon nou Po na kodia na pino moko Bako ane la dino Kodia na apeti Oh,